pour pays a gangsterisé. Gon côté, gon groupe moun qui te planifié ça. Soit gade à terre là, c'est pas con, pas comme ça, comme ça là. C'est un mouvement politique. Des hommes et des femmes qui font politique. Qui besoin pour pouvoir par tous les moyens. Qui te fait appel avec tout jeune garçon qui est dans le quartier populaire. Pour prendre les armes pour aider au combat au président de la République qui est en fonction. Qui est le Jovenel Moïse. Donc, vous estimez que. Yo gen moyen politique, yo gen légitimité populaire, yo ka invite tout jeune garçon prendre les armes pour combattre le président. OK? Il est important pour que nous fassions rappel ça. Et bien dans ce sens ça, m'a dit que docteur Gary Conny ou annoncé naturellement ou prend la bataille contre insécurité, bataille contre gang. Pour bataille contre gang. Gon côté pour commencer. Pour battre contre gang nan, faut qu'on connaisse qui sac mette gang nan là. Pour battre contre gang nan, faut qu'on ait qui est-ce qui a mes gang nan. Pour battre contre gang nan, faut qu'on ait capacité à mes gang nan. Pour battre contre gang nan, faut qu'on qui est-ce qui a fourni les cartouches. Ça nous les balles là cap touye moun nan. Sinon, n'a voye tout policier yo à la boucherie. Et pour battre contre gang nan, si n'a fou battre réel. À fond contre bandits armés qui ont kidnappé, qui ont violé, qui ont tué les gens dans le quartier populaire, qui ont kidnappé les gens dans le pays, ou pas qu'à faire sans un hélicoptère. Ou pas le dire que bandit pas hélicoptère, même moi, quelque part, je me dis est-ce que bandit pas hélicoptère? Est-ce que bandit pas hélicoptère? Mais en conséquent, la vie bandit pas mis dans rien pour lui. La police a une famille qui remet, les amis qui remet, les gens la ville qui est importante pour lui. Il faut protéger la vie policière. Gang n'est pas gang déjà. Les déjà dans sang, pas gagné que le capable peut encore. Mais dans ce sens, ça, on doit protéger la vie policière. La police a besoin d'un hélicoptère de combat. La médaille a besoin d'un hélicoptère de combat, plusieurs chars d'assaut. Et c'est le seul moyen pour mener une bataille solide contre gang armée dans le quartier populaire. Yo. Et la police a besoin, la police et la médaille, naturellement, ils ont besoin d'engin lourd, bacolo de sérieux, qui blende, on ne peut plus. Qui est capable de casser depuis ces cailles qui sont dans le quartier populaire. Parce que je vous dis ça très bien. Pour mener une opération, pour le réussir, en dans le village de Dieu, premier objectif là, c'est éliminer toute caille qui est dans le village de Dieu. C'est là pour 3 mois, opération pendant 3 mois, village de Dieu. Casser toute caille net juste pour arriver dans la mer. Et puis, barrer tout côté net, bandit va prendre côté à cacher. Il y a Tito, la police pas pété un balle. Pété, craser caille. Il y a pété, Tito, la police pas occupé. Gardez nous, craser caille. Craser caille, jusqu'à ce que. Ou après, yon mette bas les âmes. Yon mette bas les âmes après ça, nous prenons l'OA, nous allons faire une force commune nous lage yo. Parce que nèg sa yon avec zam nan, pas quitte yon vive dans le pays. Quel que soit prison qui ta gen nèg avec zam, fok peuple a ta train de prison, prend tout boule tout vivant. Nèg yon fait payer trop mal. Mais par conséquent, pour nous jouer la paix, stabilité dans le pays, il y a des sacrifices au maximum qui doit faire. Parce que pour Haïti arriver là, nous connaissons qui est-ce qui mette là. Tout le monde concerné. Nous tous nous concernés. Faut que nous tous nous mettons pour nous retirer pays dans ça. Mais faut que nous ayons une volonté réelle. Gary Conny montre que les gens qui ont des actions concrètes qu'il a envie de poser, comparativement avec le pouvoir qui était là avant, le pouvoir assassin président Jovenel Moïse, là. Mais c'est leur regarder. Entourage docteur Gary Conny, n'est qu'il y a un soi-disant conseil présidentiel, n'est qu'il y a un oligarchie pour y sentir qui était financé assassinat président Jovenel Moïse, là. C'est yon toujours là, c'est yon toujours gen port, aéroport, c'est yon toujours gen douane. Docteur Gary Conny pas mentionné comment ça fait douane pays après le fonctionner. Port yo, est-ce qu'on a toujours quitté dans mes doigts bossant, Gilbert Bidjo, Oliga corrompu yo? Parce que c'est pour ça qu'on a tout le président Jovenel Moïse. Et en plus de ça, ça que je voulais nous remarquer, docteur Gary Conny pas jamais cité, même pour une seconde, non président Jovenel Moïse, ou du moins dossier assassinat Jovenel Moïse là, pour me faire un petit parler de lui. Ça m'a mis pile possibilité pour me mettre en pile interrogation sous tête docteur Gary Conny qui ça qu'il vient régler dans le pays. Même dis-nous, m'go fixation. Ouais pour nous capable juger monsieur et condamner monsieur, pas faire manifestation contre lui, bal champ libre pour fonctionner. Mon pas carte blanche non, notez pour lui. Notez pour lui parce que pas oublier. L'on pas nous parler de feuille de route pour gouvernement ça. Qui fait de route qui la pied? Diplomatie haïtienne écrasée, nous besoin, madame et Dominique, réparer diplomatie pour nous. Laver image pays. Ça, Binadel a fait dans l'international avec, comme si Mnadjou,
sur le plan diplomatique contre Haïti, une politique diplomatique comme si nous avons hypocrite. Madame Dominique capable de nous gérer ça. Mais sauf que, mettez des gens qui sont compétents. Tout le monde qui a été révoqué, remplacez les gens. Mettez des gens compétents. Si Ariel te mette quelques gens avec l'équipe qui est compétent, pas retirer sur base politique. Quittez là. Mais depuis si ça n'est pas compétent, c'est petit femme, c'est petit boubou, c'est petit ménage garçon qui a venu lancer, quand vous foutez tout de dans la diplomatie, mettez des gens bien. Pas que ce soit un contact politique, influence politique, mettez des gens d'argent de bien. Mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est extrêmement important pour qu'on fasse. Parce qu'Haïti a besoin des hommes et des femmes qui sont compétents, des gens qui ont caractère, des gens qui ont dimension d'homme d'État et femme d'État. Les gens qui ne sont pas grands dans nos cas au feu, c'est clair. Nous n'avons pas besoin de vicieux, nous n'avons pas besoin de gens sans caractère. Nous avons besoin de vrais petits pays. Nous avons besoin d'Haïtiens conséquents. Mais aujourd'hui, qui c'est 19 juin 2024, là, nous avons plusieurs sons sur cloche et vidéo que nous allons passer et dans l'émission ensemble avec vous. Tout d'abord, il y a Rosemont Jean qui fait en sortie. Nous avons parlé ensemble avec Rosemont Jean et peut-être dans l'émission, dans l'émission du mois, et demain si Dieu veut, nous sommes capables peut-être parler avec Rosemont Jean. Entre temps, je dis que Rosemont Jean fait une sortie qui est extrêmement importante. Il y a une conférence de presse dans nos fonds d'Haïti, organisation politique qu'elle a dirigée, et il y a une conférence de presse qu'elle dit en pile bagaille, selon lui-même, Jean-Claude, Dr. Gaïkoni, qui est même a intérêt, tant de l'ensemble avec nous. Nous allons passer pour vous. Nous gagnons et pasteur Moïse, depuis Wanamet, dans le département et dans l'Est pays, plus précisément dans le département de Maribaou, canal là, et coordonnateur général et KPK, ok? Comité qui a géré dossier canal là dans Wanamet. Eh bien, dans le moment où on a parlé là, ou même qui a contribué dans la diaspora pour dévoiler l'argent pour que le canal là soit capable de construire, je vous dis une bonne nouvelle pour vous. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Si je dis là, ou c'est monocap, ou avec une diaspora, ou te voyez 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, jusqu'à 1000 dollars, quel que soit te voyez, hein? Si vous voulez manger un jury pays, un jury qui fait dans bas plein Maribao avec glo, rivière massacre, m'a dit ou comme ça que ou capable jeune ni pour manger. Et si vous avez un monde, pardon, si vous avez une famille qui est au cap haïtien, ou du moins qui est dans nord-est, qui est capable de rentrer aux États-Unis d'Amérique, pendant qu'on va vivre aux États-Unis ou bien la France, Canada ou bien quelque soit pays, hein? Depuis qu'elle a voyagé à Cotolan, dis-le comme ça, à Wanamet, ou avec pasteur Moïse, dis-le pour le dire pasteur Moïse, ou besoin, on deux timami du riz. Parce qu'on sont haïtiens qui ont contribué dans l'aide de travail à réaliser. Vous, c'est ouais que vous mangez deux qui a du riz. Qui sont dans bas plein Maribaou. Et puis, pasteur Moïse a voué du riz pour vous. Moi-même, tout. Je suis pour me venir là. Avec type là du riz qui sont dans bas plein Maribaou. Que nous m'avons mangé là ensemble avec nous. Voilà, faut une idée, non? Ah, papa. Ou avez saisi. Bon petit du riz jaune, moi. Nous sommes pour me venir là. Avec type là du riz avec moi. Vous m'avez dit, non? Celui qui a voué un petit bagage. Franchement, un petit pisquette. Un petit sauce pisquette accompagné. Bon petit jus cocoyé. Si sont sardine moi, comprends moi, ça veut dire que m'gagne là avec moi et puis m'vinn là. Mettez là sous bureau là et puis mangez-le ensemble avec nous. Ça veut dire ma pour la bouche moi, nous même n'a dégagé nous. Comprends moi? Ça veut dire que nous faisons un gros exploit. Nous faisons un gros allons coquin chaîne réalisation. Mais m'a dit nous l'idée c'était tête ensemble. Et m'a dit nous pas jamais oublier ça. Nous faisons bagay historique. Parce que nous gagnons un pays qui collé ensemble avec nous. Qui pas voulait pour que nous construisions canal sur rivière massacre. Que président Jovenel Moïse était commencé déjà. Et c'est où dans le dossier? Si que la vérité a établi dans affaire assassinat président Jovenel Moïse là, il y a des gros palto qui se voisent nous quelque part, il y a besoin de nous mettre au trempé et nous avons cité très fort. Et la preuve, il y a là-dedans qui te mettait avion disponible pour te transporter des mercenaires colombiens pour te rentrer dans le pays d'Haïti, pour exécuter le président Jovenel Moïse dans le pays d'un cinq ans, en dedans Chamni, sous cabane la Kaili, dans le pays d'Haïti. Eh bien, peuple haïtien, je pense que si tôt ou tard, véritable établi, je crois que il y a un pile causé qui va prendre la rue.
OK. L'extrêmement important. Entre temps, on va tout annoncer nous ça comme nouvelle. Et dans le moment où on a parlé là, OK. Et définitivement, et c'est nouvelle tout chaud. Dans le moment où on a parlé là, nouvelle confirmée. Normil Rameau, ancien directeur général de la police nationale d'Haïti. Actuellement là, il est confirmé. Après une dernière rencontre que le premier ministre, le premier ministre actuel, qui est Dr. Gary Conille, soit fait avec Koulev 7 traite plus 2 traite fait 9 traite. Et il a joué une entente justement. Parce que tu as pile bouche parler. Les oligarques corrompus qui ont pu placer en disant Koulev 7 traite, ils ont peur quelque part. Normil Rameau, des hommes et des femmes qui sont politiques. Et qui paie, non, mais il y a un dossier au niveau de la DCPJ. Nektakou Nenel Kassi, Nektakou Jocelyn Briver, les assassins de Jovenel Moïse, ils ont peur, en pile. Eh bien, ancien directeur général de la police, qui se nomme Normil Rameau, qui de retour. Parce que tout simplement, pas oublier, Normil Rameau, c'était un ancien directeur de la DCPJ. Pas oublier, non, Normil Rameau, c'est un ancien responsable de DCPJ. Normil Rameau, qui matrice tout nek dans le pays d'Haïti. Il y a de tout nèg, toute femme, tout volé, tout assassin, tout criminel. Martin, alors, je suis capable de dire, pardon, Normil Rameau a un dossier, tout voyou, tout volé, tout gang, tout méchant, qui fait payer sa malio. Il y a dossier assassinat, mettre mon frère d'Oval, dossier assassinat, président Jovenel Moïse, je crois que, avec arrivé, Normil Rameau, dossier assassinat, Éric Jean-Baptiste, André Duclair, de CPJ, il y a une bonne version dans elle. Et il y a un bon jeune enquêteur de CPJ qui dit qui choisit dans mes yo. Je crois que avec Normil Rameau, si que Normil Rameau t'a envie de faire des choses pour la famille, pour papa, après plein comment, je vais venir avec dossier assassinat ou bien la mort papa Normil Rameau, comment elle est mort. Normil Rameau, il y a dossier Fantôme Section 9 là. C'est sous même Fantôme Section 9 ça a monté. C'est criminel assassin qui a besoin de déstabiliser la police en amont. Qui te monte groupe terroriste ça. C'est dernier qui te dans haut major police là qui te monte le contou. Je te m'abdou tourner. Ou un gros lavage pour qu'on fait dans haut commandement police là pour des gars puis on des volets, voyou sans coup de chasse sans guinée, n'est pas sérieux au niveau de la police là. Parce que pas oublier, la police là, il commence pourri depuis dans tête. Et ça cause ou ti agent yo vinn impliqué, nous c'est des actes malhonnêtes, yo pour le tête yo ba iso pour yo devenir véritable soldat. Pour ISO 5 secondes, c'est la pli bougoy kilik, vite l'homme innocent, la mort sans jour, toute l'autre gang tap kidnappé moun yo. Ça veut dire que je dis, hein, ou gon l'autre responsabilité, et ou abjoun légitimité populaire. Ok? Sou décide fè l'objet de légitimité populaire. Bon côté population haïtienne, nan. Et n'a pas de peuple haïtien qui suivent plateforme YouTube, mais Foubeto chaque jour, qui kwen nan nous, n'a pas de supporter ou. Depuis qu'on capable poser action concrète, pour qu'on pose des questions, afin qu'on se des voyous criminels vagabonds qui te monté. Groupe terroriste qui était le Fantôme Section 9, qui dégage, qui boule en pile bien l'État, qui tue en pile monde de bien, qui boule bien privé monde, ok? Qui tue un policier sérieux, n'est-ce pas de pour capable poser une question et arrêter yo. Non, mais il y a un pas bon menti, ou a pas mis plus gros chef police que pays a te kakone. Si gen l'autre qui était gros chef déjà. Mais ou même, gon fixation sur ou, même j'aime gon fixation sur docteur Gary Conille comme nouveau premier ministre pays d'Haïti. Nous même responsabilité par nous dans la plateforme YouTube Foubeto. Sous plateforme Green Nambouda, qui est autonome, qui fait salve les gens, le pipito. On comprend ça, M. Julien? Il mourit mal, vle. L'enterrer dans sa cage qui fait le plaisir. Plateforme qui just pas un campé dans dol. Qui va jamais mettre politique, qui va jamais patron politique, qui va jamais mettre amis politiques. Sous plateforme qui est indépendant. Là, nous disons, nous avons campé derrière nous, nous avons fixé ça sous nous, nous pas le bataille contre tout. Parce que nous éclairons pile, nous smart dans sa affaire, nous comprenons la réalité, nous pas le faire opposition politique avec qui n'a fait longtemps. Nous pas attaquer des dirigeants. Si moi qu'on vient là n'importe qui genre non n'a quitté là n'a du fort travail parce que nous besoin résultat OK nous besoin solution avec ça gars là nous tous nous besoin la paix tout haïtien besoin la paix tout haïtien go grande bagaille qu'il a cherché stabilité sécurité OK tranquillité pour tout le monde capable évacuer avec occupation librement dans la coupe pays d'Haïti mais pas que ça est-ce que Normil Rameau ou pas symboliser la paix nous voulons ouais ça mais pour jouer la paix il faut faire la guerre. Normil Rameau, mettons en condition 2. Mettons en condition 2 parce qu'il faut que nous fassions la guerre. Mais pour nous faire la guerre, avec qui est-ce que nous faisons la guerre? Il faut que nous fassions avec tête, la guerre avec tête pensante. Et puis quelque part, nous avons cette tiselle qui est Tibandi à Sapat. Parce que Tibandi à Sapat, il n'est pas représenté un pipe tabac. Devant Sako, ça a payé des petits problèmes. Tibandi à Sapat,
qui a fait nous souffrir, nous wel physiquement, nous wel publiquement. Il pas représenté un pipe tabac dans nèg avec femme qui met itiné ta ça. Moi comme souvli. Bandia ça pas la connaît que la ville pas tellement longue non. Elle gon adresse, elle gon bloc côté rete. Ou gon 100 graines et comment relé grenade à fragmentation. Ou lancer dans village du ou exploser saloperie ça, paraît iso encore. Ou cherche un drone kamikaze. Ou là sont 15 missiles en dans village de Dieu, paraît mal propre ça encore. Ça veut dire qui ça? Ils ont très facile pour résoudre problème iso. Là mon sans jour. Dit qui côté chital bois éclairer la bombine dans la plaine. Ou la gondou dans l'air pour lui. Filon missile, dépatchal même Jean, capitaine Ibrahim Traoré Apfel à Burkina Faso. Même Jean Assimi Goïta Apfel et au Mali. Même Jean et capable dit nous général Tchani Apfel au Niger. Combattre la terroriste en Haïti. Nous pas gbadi nous des terroristes cap kidnapper moun cap terroriser moun cap tuer moun de bien cap détruire pays qui fait que Haïti vient l'aide devant le monde entier de fait nous devons laver image pays hein. Mais pour nous faire faut que nous pas peur non faut que nous assumer responsabilité faut que nous pas mettre tout non faut que nous gagne canson dans taille nous faut que ces garçons canson pour faire exactement ça n'a dit là bataille en pas camper on dit nous responsabilité pas non nous-mêmes bon côté nous prend déjà. Nous, franchement, nous mourons déjà, ne pas peur senti. Parce que naturellement, toujours dit, pas de mourir. Nous avons des précautions au maximum que nous prenons pour voir ou pas vider dans la terre. Parce que nous devons exister. Et nous devons résister pour que nous existions. C'est extrêmement important pour que nous connaissions. Bataille en pape campé. Nomil Gamo, nouveau directeur général de la police d'Haïti. Là, nous sommes installés. Demain, si Dieu veut, cap 20 juin 2024, là. À quelle heure nous pouvons gagner l'heure? Mais nous avons parlé là, définitivement, monsieur, c'est nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti. Est-ce que nous avons une belle solution? Souhaitons-le. OK? Et si nous sommes capables d'aider le résultat, nous avons aidé. Nous avons dit, directeur, nous sommes capables de nous n'importe le. Nous sommes capables de nous, si nous contribuons, nous sommes capables de nous faire. Pour nous donner des bonnes informations, pour nous donner collecter comme si des données, comme si la police, nous-mêmes, nous avons une consultation gratis, nous avons une consultation gratis, chérie, parce que c'est Haïti qui a besoin de sauver. Vous voulez tout Haïti, je dis, on ne peut pas faire politique avec ça. Haïti trouve son pente, c'est tout petit pays qui peut mettre tête ensemble pour nous faire des bagailles, on nous contribuer. On contribue à 100% pour nous garder comment on va aider Haïti, sortir dans ça qu'elle trouve là. Après, on a résolu tout le problème. Mais pour le moment, Haïti trop sale, Haïti trop laide. Mon cap dit que Haïti est trop sale, yo trop senti, yo trop sanguin. Mon cap fait politique Haïti est trop sale. Et image paysan, image Port-au-Prince surtout, li reflète image nèg avec femme qui a fait politique là-dedans. De fait, pour nous comprendre Port-au-Prince qui propre, ou Haïti qui propre, faut qu'on dégapi, éradiquer, démanteler, déchouquer total capital classe politique traditionnelle ça qui dans pays d'Haïti a. Et les oligarques corrompus, qui volaient, qui botaient l'argent, pas si par là, pendant le pays, dans la souffrance, pendant le pays, senti, si vous n'avez pas à l'école, vous n'avez pas à manger. Ou qui chien volait, sur le côté où sortir au Syrie, Palestine, Liban, à voler comme nos pays, et vous n'avez pas à manger nos pays. Il n'y a pas de possibilité du tout pour vous fonctionner. Et mal propre, à botter comme, pour petit, vivre bien aux États-Unis, la France, Canada, bonne salope sale, bonne bourgeois senti, bonne chien sale côté nous, bourgeois cocorate, bonne si volait. C'est seul Haïti, nous devons venir pour nous voler comme ça, yo. Parce que pays au monde, nous avons fait ça, nous fait là. Comme si nous venons dans nos pays, nous avons fait comme. Nous avons boté là, je ne passe pas là. Nous riches, on ne peut plus. Nous avons mouru dans le pays. Soyez. Ou sont salopes, ou ils sont exploités, ou ils volaient, ou ils chiens. Alors moi-même, comme si, pour me gagner l'argent, pour me gagner l'argent, je fais l'argent comme si, pour mon entourage, je ne peux pas manger, je ne peux pas manger, sale senti. Qui moi-même, moi-même, bientôt, ça n'est pas haïtien. Malpropre, ça n'est pas foutre haïtien. Foutre chien, ça n'est pas dans le pays. Bonne foutre tout, le président Jovenel Moïse, côté nous. Bon assassin. Bon méchant. Papa ici, je dis c'est 19 juin 2024. Yo l'embeto. M'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui vous êtes, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que m'assemble avec nous sur la plateforme Panouan, sur la plateforme YouTube, InfoBeto, plateforme Green Nambouda, plateforme qui pas peur. Qui pas peur rien. C'est comme ça que lié. Parce que on pays, nous ne pouvons pas souffrir comme ça. On ne peut pas souffrir dans conditions pareilles. Nous ne pouvons jamais foutre la chevali. Nous méchants trop. Et vous devez parler avec nous en créole. Pour tout le monde connaît que nous pas, comme si nous pas respecter voler ça yo. Mon président demande nous la paix. Il dit nous mettez stabilité dans le pays, nous mettez électricité dans le pays, nous plutôt tuer li, bonne sans sale côté nous yé. Bonne bourgeois corrompu, bonne si voler. Pour bien pour foutre éliminer tout, c'est mal propre politique ça pour foutre couper tête dans le pays d'Haïti. Parce que si pas de politiciens ça yo,
avec oligarque corrompu. Puis ça, des politiciens avec journalistes volés, vicieux, gang de pays d'Haïti. Ils peuvent pas trouver Jovenel Moïse. Même dans le rêve, ils peuvent pas trouver. C'est des complicités avec politiciens qui causent les oligarques en sentant que les vignes ont légitimité populaire. Comme si nous avons dit qu'il y a des vies ou des morts sur un chef d'État qui a essayé de voter. Président d'Haïti. Oh! Président premier République nègre du monde. Oui, qui vagabond sur le côté de sortir, vient tuer le pays. Et même ça, le priorité là toujours. Il y a plein de dirigeants pour nous. Ils sont honte, mon cher. Ils sont honte pour la République. Et ça va faire mal moi-même comme monde. Parce que je suis paysan que mieux. Je suis un grand d'ailleurs. Sans province pour élever. On était passé, il faut passer côté que le Port-au-Prince là. Un petit chien ça le fout tuer un président dans conditions pareilles. Et puis tout le monde campé, a regardé ça le prix dans les yeux. Nous trouvons le normal. Haïti pas carré comme ça. Elle pas doit être comme ça. Faut que nous tout nous mettons dans patte là pour que Haïti pas être comme ça. Parce que c'est pas logique. C'est pas logique. Faut que ce soit accepter que il fait payer mal. Il fait payer mal pour suspendre ça. Nous pas comme si campé nos pays. Nous décider c'est nous pour vendre gaz là pour sans pas dépenser là pour faire 90 millions de dollars américains dans gaz là. C'est comme si les gars décident de se pour les pauvres pays d'Haïti dans le douane pays d'Haïti pour l'amour. Qui soit foutier? Comme si nous pour mettre directeur général douane nous. Douane au Cap, c'est nous pour mettre directeur. Douane Simax, c'est nous pour mettre directeur. Douane Miragouane, Port-au-Prince, tout côté, c'est nous pour mettre directeur. Et puis la diaspora, ici, a besoin de rentrer avec une machine tout neuf, il n'y a pas qu'à rentrer. Comme si c'est seul pour l'envers dans Petionville qui a un droit pour rentrer avec une machine tout neuf. Sous qui base? Fuck foot, loi dans douane, yo changé. Pour tout le monde connaît, mais qui prie que on machine telle année, telle marque capable de douaner. Faut tout le monde connaît que on machine telle année, telle marque, telle, comme si, mais qui j'ai machine, mais qui qualité, quantité milliage, quelque chose, mais comme quoi il a de douaner. Et faut que tout le monde ait accès pour être avec machine que vous voulez dans le pays d'Haïti. Donc, comme si Mdadjou, c'est seul les gars volé à qui doit, comme si Mdadjou, pour louer aux machines tout neuf en Haïti. Nous prenons tout le monde pour cocoat dans le pays. Hein. Pendant que tout Haïti a une capacité pour travailler dur, peut-être faire du plaisir. Mais nous grappialiser la population. Hein. Nous faisons tout pour sortir grappier à nos pays. Un jeune fils, il va pas pour devant, il va comme si il m'a dit monter dans une moto, comme si vous montez devant machine. Pendant que il a capacité, il est capable de travailler pour faire tête plaisir. Mais son coco a donc volé politique, un gang, un kidnappé qui pour balancer machine pour louler. Après, il finit drivé dans toute la rue. C'est dérespectant. Comme si nous faisons tout jeune, nous sentons que c'est à l'étranger seulement. Espoir, est-ce que logique? Il n'est pas acceptable. Tout jeune, si mesdames dans le pays d'Haïti, il est capable de travailler dur pour acheter une machine. Mais si elle arrive dans le pays étranger, il voit comme si travail pour acheter une machine. Bill a pété fiel, frustration a touché. Il y a grand monde avant l'heure. Pendant que vous êtes capable de vivre bien dans le pays. Et puis nous-mêmes, comme moun vini, comme volet sans salle, nous cachons dans Petionville, nous avons brouté toute richesse au pays. Et puis nous avons fait tout le monde dire c'est blanc. Il n'y a pas foutre blanc. Le problème pays d'Haïti, c'est oligarque pays d'Haïti. C'est oligarque qui a bon volet ça. Afin qu'ils sont on m'a vu dire c'est États-Unis, c'est la France Canada. Pas de bail comme ça. Pour moi-même. La pio même peut-être après nous finissons le problème avec ça. Mais pour le moment, il faut que nous fassions fixation sous messieurs dames qui fait business en de pays. Comment tu comprends nos pays? C'est seul nègre pour gagner droit pour rentrer avec bout de sac de jury, le pipito. Mais j'espère que c'est nègre qui fait le pays d'Haïti, il n'y a pas rentrer avec un conteneur de jury. Depuis qu'il rentre, nègre à foutre prendre, il fait le pourri dans la main, il n'y a pas de douane. Sous qui base? Il doit foutre pour foutre boulot dans le pays d'Haïti, comme Ravel, comme Mounvini, comme Volé. Il n'est pas possible. Nous tous nous menaçons pour la société, nous finissons avec un pays. Nous finirons sur nos peuples là. Bye peuple, on chance. Bye peuple, on chance, bonne saloperie. Aïe, c'est peuple qui est plus tolérant sur la terre. Nous faisons tout bagaille qui mal, mais il y a patience. Mais monsieur, bye, on chance, monsieur. Tout petit nous vivons bien dans Miami, monsieur. Tout petit nous les gars qui vivent bien dans Miami, Florida. Nous sommes downtown Miami, dans Brickell Avenue. C'est là que petit nous avons été. Nous tout vivons bien, monsieur. Bye population, c'est possibilité pour le fonctionner maintenant là. Aïe, c'est pas besoin de pilon. Les gens besoin vie nocturne fonctionner pour le bouger. Les besoin la vie reprendre n'importe où presse pour la foule fonctionner. Mais nous prenons tout pour nous, rien pour peuple là. Sous qui base mettre là? Et puis tout pour le monde campé, garde ça le bruit dans les yeux comme si Mdadjou, c'est Dieu de la terre, comme si tout ça. Non, mon cher. Si l'exemple qui doit des vies ou des morts haïtiens, nous capables de foutre qui doit des vies ou des morts sur tout, l'un filet manchette dans la foule pour un peu de ville là. Parce que nous pis plus. Nous pis fort. Depuis le filet manchette dans le Boudaïo, il y a un pays. Violence l'enjeu de la violence. Nous faisons tout le monde frustrer nos pays. Nous faisons tout le monde comme cocorate nos pays. C'est comme si nous avons haïtien pas moun. Nous sommes esclaves que nous. Parce que nous black, parce que nous haïtiens. Nous équipe cocorate sur le côté de sortir pour nous mettre le pays. Nous mettons tout seul discours. Oh oui, c'est américain, c'est Canada, c'est la France.
La foot Canada après une foot dégapie oligarque au pied d'Haïti. La États-Unis après une fin comprendre réalité à l'aide de l'oligarque dans Wallio. La France, la Canada, la États-Unis, l'aide fin mettre oligarque dans Wallio. Mais tout autant que c'est avec ça, il y a douane, il y a port, il y a tout le bagage dans le pays, il n'y a pas États-Unis, mon cher. Il n'y a pas États-Unis. Pas bon, ça nous mettre là. Mais même je là, je comprends la réalité en façon. Bah, quand on monde quelque part qui comprenne que c'est États-Unis, c'est 17 dates. Mais position pas moi-même. Il n'y a pas États-Unis. Il va foutre les États-Unis. Pour que ça la Dominicaine n'est pas plein même gens pour États-Unis. États-Unis, c'est les amis la Dominicaine. Pour ça, il y a un bon deal avec la Dominicaine. On a mis des volets, on a mis des chiens sales. Et puis on a dit c'est États-Unis qui mettent eux. On a dit volets à foutre son pays, on a dit c'est États-Unis à foutre Canada. C'est eux même volets qui mettent tête là. Même si on fait stratégie pour rentrer là, que nous même nous faisons stratégie pour nous mettre dehors. Parce que Haïti n'a pas subir, alors subir ça que nous avons fait subir encore. On va tolérer, messieurs, dames. On pas qu'à souffrir encore. Franchement, nous va tolérer. Parce que les logiques pour qu'on produise des réflexions, pour nous permettre que le peuple la comprenne, nécessité qui gagne pour que nous permettre que le pays en sorti là. Nous pas qu'à tolérer encore. C'est grave. OK? Parce que haïtien, bah la grave en pile. Mais si on méchant en pile, faut que nous prenions toute disposition. Pour Haïti capable de sortir dans ça. Mais pour le sortir, il faut que nous prenions des décisions drastiques pour nous permettre que, OK, Haïti, râle en souffle. Parce que nous ne sommes pas capables encore. Nous ne pouvons pas tolérer ça qu'a fait là encore. Il faut qu'il y ait une chance pour Haïti. Encore une fois, je salue tout le monde. Je suis content ensemble avec nous. J'aime te dire, nous avons gagné Rosemont Jean qui a eu une conférence de presse. Et qui adresse directement ensemble avec le nouveau premier ministre là, qui c'est docteur Gary Conny. Heureusement, Jean, il y a une position pâle, nous connaissons naturellement, heureusement, Jean, c'est allié nous, c'est affaire par nous. Et nous prenons le temps de, et heureusement, Jean, à travers la conférence de presse qu'il baille, Jodian qui c'est, et naturellement, Jodian qui c'est 19 juin 2024 là. En entendant heureusement, Jean, et par la suite, nous avons tourné pour réaction. Heureusement, Jean, l'appareil. Station de résistance pour une Haïti stable et démocratique. Donc, on te dit, dans la dernière conférence, nous avons gagné pour nous capables non seulement analyser la question du gouvernement de Gary Conny, mais tout prononcer nous sur le gouvernement. Et c'est ça que nous venons faire là matin. Pour nous capables de connaître qui positionne nous et qui route nous prend dans les jours à venir par rapport à gouvernement. Oisif qui est installé dans notre pays. D'abord, qui te me dit nous te prenons temps. Nous prenons temps qu'il faut. Nous prenons temps nécessaire avant de nous prononcer. Premièrement, ça n'a pas dénoncé. N'a pas dénoncé l'inélégance du docteur Gary Conny. Deuxièmement, n'a dénoncé comportement de M. Conny par rapport à l'assassinat de Jovenel Moïse. Troisièmement, nous dit gouvernement ça qui vient là, c'est un gouvernement qui vient pour pénaliser, pour faire toute action que nous n'avons pas imaginé pour Jovenel Moïse. Pas jeune justice. Pour qui ça? Parce que M. Gary Conny montre nous à clair, il n'est pas un homme d'État. Nous n'entendons pas que tu oisif politique, des pacotis politiques, des mendiants politiques qui traitent de passer pour militants, des petits mercenaires politiques. Tant qu'on est capable de dire pas aimer, pas aimer, tant qu'on est. Ingénieur Lugondé dans Pétionville qui prend l'argent trésor public injecté dans même pour marcher dans série de bases pour divulguer Gary Conny, pour dire Gary Conny c'est si Gary Conny c'est là. Moi-même, je prends le temps qu'il faut parce que je ne suis pas militant qui grand goût qui cherche à manger. Nous sommes militants qui gardent les faits, qui analysent les faits et prononcent au moment opportun. D'abord, premier ministre Gary Conny montre qu'il n'est pas élégant. Comment?
Ou pas qu'à guider ou son homme d'État. D'abord, il fait preuve tout, il n'est pas un homme d'État. Oui, ils sont intellectuels, oui, ils sont professionnels de médecin, mais il n'est pas une dimension d'homme d'État. Il n'est pas une dimension père de famille. Il n'est pas une dimension, tant que vous me faites comme exemple, malgré des accords Jovenel Moïse te gagné, te gagné avec Jean-Bertrand Aristide. Li apprennent Jean-Bertrand Aristide dans difficulté, Jean-Bertrand Aristide besoin passeport humanité pour l'alcaï docteur. Automatiquement, Jovenel Moïse comme homme d'État, li mette ti différence ou bien ti désaccord avec Aristide là de côté, li dit faut me sauver président. Son président soit ses président. Comment nous même la presse qui là comme moun intelligent, comme moun savé, comme moun qui capable analyser fait. Où on est qu'à venir premier ministre? Hein? N'a débarqué en Haïti. Monsieur, un président assassiné, il n'y a pas de jambes fait sortir une note de sympathie à notre ancien premier ministre. On est qui est ancien premier ministre? Il est dans quelles conditions il a assassiné le président dans la chambre de la Kaili? Il n'a pas fait une note de sympathie à la famille, à pays. Ça c'est une. Mais pour nous, ça n'est pas grave parce que il te dit, dans diverses rencontres qu'il fait aux États-Unis, il dit qu'il n'a jamais rentré. A fait l'État, il sait, on compatriote te poser une question en ce sens. PM, si on t'a envoyé l'eau, comme je dis au premier ministre, encore, si on t'a envoyé l'eau en Haïti, pour t'a vu l'État, ils sont coupés mais encore, Pepa, il s'est amendé pour faire bien un coup. Il doit me répondre sans équivoque. Je ne suis jamais là pour l'État haïtien, je ne suis jamais servi l'État haïtien, je ne suis jamais travaillé dans l'État haïtien. L'État haïtien n'a pas besoin de jamais côté sur moi. C'est slogan, c'est discours. Mais l'on vient de comme premier ministre, au moins, fais une preuve. Même l'hypocrisie, même laisser ta bordou, même laisser ta nan moun qui a fait partie bord, qui t'a planifié l'assassinat de Jovenel Moïse, souvient la pas élégance. Faut t'a montré pays que son homme d'État. D'abord, nous tous avons constaté que le ministre vient mettre en confiance les assassins de Jovenel Moïse. Parce que le premier ministre, ni dans l'introduction, que vous dites que le premier ministre pays, il fait discours, il ne parle pas de Jovenel Moïse comme un président assassiné. Il installé, il fait discours d'installation qui gagne quatre programmes. Dans quatre programmes, le premier ministre, et ça veut dire dans quatre programmes. Et nous souhaitons, nous voulons que tout le monde connaisse que nous-mêmes, en tant que Premier ministre qui vient là, nous avons fait ça capable pour renforcer la justice parce que nous souhaitons, nous voulons à ce que lumière soit faite sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Le Premier ministre a fait tout ça, le fait net. C'est comme si le pays n'a pas de bon président, il a assassiné. Alors que la base fondamentale dans la crise qu'il a, il vient amplifier par rapport à l'assassinat de Jovenel Moïse. Avant l'assassinat de Jovenel Moïse, nous dépassons Matisse, pas vrai? Avant l'assassinat de Jovenel Moïse, nous dépassons Canara, pas vrai? Avant l'assassinat de Jovenel Moïse, pas de cafoufé. Avant l'assassinat de Jovenel Moïse, pays a pas réduit en chaos total. C'est la provocation, c'est l'absence totale de Jovenel Moïse. Vint sur programme l'État, pas de l'État. Eh bien, je dis à nous que ça comme résultat. Mais nous comprenons pour qui ça? Nous voulons dire nous pour qui ça? Comportement. Docteur Gary Conny. Docteur Gary Conny, c'est un personnage que nous apprécions parce que nous avons supporté la bataille diaspora. Nous avons comment pour une diaspora qui arrive là en poste et puis pour nous-mêmes, nous avons dit nous avons calonné, nous avons combattu la diaspora. Non, loin de ça. Un, ça nous voulait pays à retenir pour nous la question de Gary Conny. Un, Gary Conny n'a pas gagné qui attaché la pays. Docteur Gary Conny, qui est mon appelage là, il n'est pas là comme un premier ministre haïtien, mais c'est un gouverneur. Mais ce qui est plus grave là, c'est qui est-ce qui bosse Gary Conny. N'est-ce qui bosse Gary Conny, il est le Clinton, Clinton, Bill Clinton, Kleb là. D'ailleurs, les plus présentés Gary Conny, où est madame ça qui est là, Hillary Clinton, elle met Gary Conny dans ton temps contre Simon, et puis il est même devant lui présenter. Petit lui ou bien esclave lui. Monsieur Gary Conny, tu es administrateur d'un projet qui te relève CRH.
projet ça, qui est-ce qui t'a téléguidé, qui t'a mené, c'était Clinton. Or Clinton mettait avec l'équipe, il a détourné près de 11 milliards de dollars. L'agence RH. Ça, on vient faire là, on vient mettre Clinton, on vient mettre le docteur Connu pour capable effacer parce que trace, parce que grand pile monde qui a demandé pour une enquête qui menait sous question 11 milliards de dollars. Ça. Mais ce n'est pas le problème, là, toujours. Le problème, là, le plan montre nous, c'est haine docteur Gaï Connu exprimé à l'encontre de Jovenel Moïse malgré l'assassinat, malgré sa mort, malgré le fait exister, docteur a témoigné. Hein, il dit s'il ne pas dans moi, il te connaît. Pourquoi vous dites ça? Président Jovenel Moïse, sous trois feuilles papier, Jocelyn Privé, bail, équipe Clinton, non, Douane, APN, EPOP, ensemble de côté pour te ramasser l'argent. Comme ça, tu as totalisé le montant de 5 milliards 800 millions de dollars américains. Jocelyn Privé, de bail, Bob Clinton, non. Jovenel Moïse, monté comme président de la République, il coupé pour toi. Il dit qu'il n'est pas normal, il n'est pas sérieux pour l'équipe Bob Clinton, ça, aux États-Unis, qui a accès pour ramasser dans le pays à 5 milliards 800 millions de dollars. Jovenel Coupel. Et depuis le Jovenel Coupel, Bob Clinton, qui est dans Biden, mette fait mise en place, il faut que tu assassines Jovenel Moïse et de fait, tu assassines Jovenel Moïse. Comme je dis, c'est Bob Clinton qui choisit Gary Connie pour mettre le premier ministre, et bien docteur Connu montré hand salgue comme Jovenel Moïse, et c'est pour ça il pas dit dans discours, il pas bay tête dans mission dans loi 4 dans mission dans programme gouvernement là, il voulait faire tout le monde qui bataille pour Jovenel Moïse peur pour nous pas parler de assassinat Jovenel Moïse. Nous même nous dit 3 ans qu'il là, c'est 3 ans commémoration assassinat Jovenel Moïse. Et nous continuons à boumer et nous lancer un vibrant appel à toute organisation, tout le monde qui est habitué à participer dans la commémoration ça, pour nous rassembler, pour nous dire, docteur Gary Connu, que Jovenel Moïse n'est pas un wassif. Deuxième bagaille pour nous finir, ou ta ouais premier ministre, si vous dites vous cherchez solution, vous combattre la corruption, ou venez pour combattre la corruption. Pourtant, conseil créé qui est 7 maintenant, il y a 4 personnes là-dedans qui sont équipées par la justice haïtienne. Hein? 4 personnes qui sont équipées par la justice haïtienne. Nous avons des documents, toutes preuves. Malgré ça, nous cohabitons ensemble. Ça veut dire que nous ne pouvons pas venir gommer contre la corruption. Dernier point, c'est pour nous dire demander à la police nationale. Dans le programme, dans le plan d'opération qu'elle gagne, il faut reviser le plan d'opération. Pourquoi tu dis ça? Nous ne sommes pas d'accord. Pour la police, il y a des gens, l'armée, il y a des gens qui demandent l'État, moyen, hein, pour être capable de faire participer dans l'opération contre l'insécurité, contre les bandits. Les gens plutôt prêtent à marcher crasé de caille. Voilà, tout le pays, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça pour les bandits. Bandi yon mette yon dehors de force. Pon tonne yon tenu l'État, kounya ki pou vini remettre en confiance, qui pou permettre yon tourner la kayo, et puis constate, kayo pa pou bandi yon, kayo kaze pa pou bandi yon. Kayo kaze yon se de mère de famille, de père de famille, que l'État te arme yon goup gang, yon ensemble de voyous, qui pou tout zon sa en otage, yon mette moun yon dehors. Aujourd'hui, si l'État fini avec un plan, faut que l'État calcule yon l'autre moyen. Parce que l'armée qui a fait filature, l'armée prend formation pour faire filature, pour faire pénétration. Nous comprenons la police qui a fait encerclement dans le plan. La police là, pour faire encerclement, parce qu'elle ne doit pas avoir capacité pour mener sa bataille guérilla urbaine. Mais est-ce que ça veut dire chaque côté de la police pour débarquer, il est obligé de casser tout le caille sans nous pas contre côté. Je pourrais reloger mon sa sans pas un plan de construction maison, de projet logement sociaux. Nous pensons, nous-mêmes matin, nous devons faire un dénoncer le comportement de Dr. Gary Connu qui vient pénaliser, qui vient renforcer l'ensemble criminel Jovenel Moïse. Parce que c'est tout le monde qui était soi-disant avec Jovenel Moïse qui a fait alliance avant Dieu, et puis qu'on a fermé l'État pour Jovenel Moïse. Deuxièmement, c'est le mode opératoire que la police a mené. Hein? Oui, il faut que nous battions contre les bandits. Il y a des gens qui l'ont cagoumé contre les bandits. Mettez-moi, mettez-le.
14 000 dollars, tu as pris les Ukrainiens. Même si tu n'as pas pris les policiers, l'armée, 14 000 dollars. Mais il y a un prix, il y a un salaire raisonnable qui permet de confiance de travailler sur le plan pour établir la paix. Et deuxième point, dernier point, c'est tout militant, tout le monde qui a mobilisé pour permettre la commémoration 7 juillet réelle, eh bien, on nous tous mettre main de façon pour nous dire. Non seulement Gary Conny, conseil qui est là, et l'équipe Clinton qui met ensemble, qui tue Jovenel, pour nous faire reconnaître et nous ne pas faire bas. Merci. Vous parlez de 4 personnes qui sont inculpées dans le conseil présidentiel là, qui n'ont pas pouvoir Gary Conny. 4 personnes qui sont inculpées, qui ont une inculpation grave. Ce n'est pas une simple inculpation, ce n'est pas un simple délit, mais qui ont une inculpation très grave qui pendait sous tête. Et qui devant juge d'instruction, parce que nous dit l'ordre devant juge d'instruction, pas vous coupable, mais il faut mettre à la disposition de la justice pour la justice capable de tendre. Ou gagner fruit de Jean, il a poursuivi lui pour vol, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Nous gagnons Chéral Gilles, docteur Chéral Gilles, association de malfaiteurs. Nous gagnons M. Nestlé Voltaire. Lui-même, blanchiment, drogue, c'est ça qu'il a retenu pour lui, dans le cadre d'inculpation, dans le cadre de poursuite pénale qui enclenchait pour nous au cabinet de soutien. Quatrièmement, et mon coin, c'est monsieur Radio ou du moins Edem qui voyait dans le conseil de Créla, il est inculpé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Ok? Ça veut dire, voilà que le conseil a 7 personnes qui sont capables de décider. Dans 7 personnes qui sont capables de décider, il y a des 4 nan yo qui devant la justice pour gros équipation grave. Et puis, je dis à Gary Conny a parlé nous. Non, ça veut dire, ça que là, gouvernement peuple a pas monter. Gouvernement qui là, c'est un gouvernement pas côté, un gouvernement oisif. D'ailleurs, il y a plein de monde qui pas sorti, qui pas aucune notoriété politique. Oui, il y a capable intellectuel, oui, il y a capable de ceci. Mais en ce qui a fait à notoriété, comment nous comprendre 3-4 nègres qui fait partie, conseil, gouvernement, c'est un paquet de nègres qui ont sanctionné et puis pour y a parti politique, ils ont parlé à eux-mêmes physiquement, mais toutes ces partis politiques qui voient les gens qui montent au gouvernement. C'est même les sanctionnés qui montent au gouvernement Gary Conny. Ok? Avait dit, je dis à nous-mêmes, il faut payer à connaître. Pas gagné qui a sorti dans la montagne. Son fourmi, il va la coucher si maman fourmi n'a pas un mal. Son montagne qui va la coucher, ils ont fumé, mais ces 6 montagnes là, pas yon mal. Pas gagné concret, pas gagné sérieux, de pouvoir le gouvernement vient là. Il pas nous mettre ça le bras le fait pour permettre, lui reprendre ensemble des projets, Jovenel Moïse d'après, dans question route, question asphalte, question environnement, question de l'eau, question environnement. Ouais, il pas embrasser le dossier ça. Ça veut dire que c'est de mon seulement vient là pour faire l'argent. Il a fait l'argent. Nous prenons le goût de côté après 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Nous prenons le voler, gagner les mêmes gens. Et puis nous prenons le remettre dans l'autre groupe encore pour continuer à faire l'argent. Nous prenons voilà. Je dis à mais ces dames, la presse parle qui la presse écrit, média en ligne qui la. Les temps, je dis à nous-mêmes tout pour nous faire tête, nous passer de acteurs pour nous questionner ensemble. Effectivement, c'était Rosemont Jean de Fournot Haïti qui tapait faire intervention ça. Et dans la conférence de presse, alors, qui fait intervention dans la conférence de presse, c'est que le tabac, sous dossier qui vient pour avec nomination, ou du moins installation, ou bien nouveau premier ministre qui nous gagne, qui c'est Dr. Gary Conny. Heureusement, j'en baille position parle, et selon lequel comprend Dr. Gary Conny, mais même tout, ça qui est intéressant pour me dire non, c'est que me faire remarquer là, beaucoup de gens, moi, côté que Dr. Gary Conny, j'aime répéter, dans un discours qu'il a fait, dossier assassinat président Jovenel Moïse. Pour arriver là comme dirigeant, seul moyen pour vivre en paix, seul moyen pour ne pas avoir pièce d'inquiétude, sauf si les assassins de Jovenel Moïse ou t'as entendu ensemble avec eux. Seul moyen pour ne pas vivre là qu'à sauter. Mais comme bagaille tout pour nous connaître, est-ce que si Mboko établit, si Mboko finit contre la terre, est-ce qu'il m'oblige à parler du dossier assassinat Jovenel Moïse? Peut-être tout, il a condamné Zel 4. N'a pas mission, si possibilité toujours, pour m'y se fin établi, pour le contrôle la terre, pour m'y se déplacer pion, pour le filmer pion la terre, et puis après, n'a pas connu vrai visage, Gary Conny. Comme ça, tout le monde doit prendre un gros coup, mais pas oublier. Je fais la tombe dans de l'eau,
c'est pas j'aime juste le pourri. Ou mettre bête, ou mettre bâtien, mettre en mettre les. Combo dans ciel là, l'a regardé et l'a prend note. Bataille pas campé. Voilà, c'était Rosemont Jean de Fonod Haïti qui était baï conférence de presse ça. Et m'a dit donc que n'a pas coup de patte naturellement dans dossier qui pour avec intervention que PM n'a fait sous dossier et la police nationale d'Haïti qui doué en condition 2. Alors, et bah oui, ministre là, c'est ministre défense là qui dit que il fait appel avec force armée d'Haïti pour que l'armée mette en condition 2 pour l'armée capable de déployer. Il est pas oublié hier, nous gagnons environ 450 policiers qui gradués dans plusieurs unités qui pral alors qui va intégrer plusieurs unités dans la police nationale d'Haïti. Et la police ça hier ça fait gagner un pile monde qui fait intervention le moment ça gagne un pile monde qui fait intervention mais gagne et chef police et qui c'est chef de gang et membre fondateur Phantom Section 9 groupe terroriste là et DGAI la police gang criminel assassin Kenel Kassi avec Justin Rivette maintenant la police là qui relève France LB et ben tu prends la parole il te fait déclaration en dedans et monsieur déplace en pile pion parce que monsieur pourri la police avec gang pour que nom il ramota va venir jouer en pile pé quand qu'on a en entendant ça volo ça t'a dit ça gang ça t'a dit ça zami vite l'homme t'a dit dans tête et dans moment il t'a gradué policier qui pourrait intégrer plusieurs unités dans la police là, France LB et directeur gang dans la police nationale d'Haïti et soldat Phantom Section 9 ou bien membre fondateur président groupe terroriste qui dirait le Phantom Section 9 et qui rivait assassiner président Jovenel Moïse là. En tant de volo ça. Et ou pas le temps de volo sur écran. Ou pas le temps de son. Hein? Seulement pour ces nouveaux agents, mais aussi pour l'avenir de notre pays en matière de sécurité et de justice. Votre présence ici témoigne encore une fois de votre engagement inébranlable et indéfectible au développement de cette institution républicaine stratégique de notre système de sécurité publique, voire national. En ces moments difficiles que vit notre pays, notre cher Haïti, le rôle et la responsabilité de la police nationale d'Haïti en tant que gardien de la paix et de la stabilité sociale, n'ont jamais été autant mis à l'épreuve. C'est l'occasion pour moi de saluer le courage, le sens du devoir et du sacrifice de nos vaillants policiers et policières qui, aux côtés des membres du haut commandement, pendant plus de 2 mois et en dépit des limites en termes de ressources humaines, matérielles, financières, sont restés debout pour défendre du jour comme de nuit nos concitoyens et tous ceux qui résident notre territoire ainsi que leurs biens contre les assauts criminels répétés des gangs armés. Certains de ces héros ont payé leur prix, ont payé leur vie de ce climat de paix fragile que nous jouissons aujourd'hui. Ainsi, honoré. Est-ce que tu voles ça? Bam retire sur écran attendez. Bam bay et PM et docteur Gary Koni parler parce que attendez monsieur c'est cœur plein. Attendez monsieur c'est déception. Attendez PM Gary Koni parce que mon fixation sur docteur Koni et n'a suivi monsieur de près au commencement de Jolan, c'est pour moi son haïtien qui t'a vivre dans la diaspora. Nous même vu que n'a fait promotion pour que la diaspora haïtienne intégrer la politique en Haïti. Ça veut dire que quelque part Gary Koni et peut-être me considère monsieur comme un véritable figure de la diaspora bien que gagne en façon que monsieur rentré, qui en pile monde questionné rentré ça, mais naturellement m'a dit donc que peut-être Jean commandant Philippe dit là, monsieur doit rentrer par la petite porte et monsieur sorti par une grande porte là. OK, ça veut dire que faut que nous peut-être bali bénéfice du doute jusqu'à maintenant parce que monsieur c'est petit en docteur Koni, monsieur c'est un haïtien, monsieur c'est Gary Koni et me pense que monsieur fait Port-au-Prince, me pense que monsieur peut-être gain 100 et haïtien dans 20 ni sans pas avoir des salines non et que monsieur capable font bagaille définitivement pour pays ça. Monsieur que monsieur capable organiser. Docteur Koni à l'appareil. C'est un gros jour pour nous. Un jour côté la lever tête nous pour nous garder soleil. Un jour côté n'a commencé à garder l'avenir en l'autre gens. Si mon commencé discours comme ça, c'est parce que là où est 455 jeunes femmes, jeunes garçons, prend chemin pour servir pays,
surtout dans un moment difficile ça, nous devons non seulement battre un gros bravo, mais tout prendre ça comme message l'espoir que le pays a pas péri. Que le pays a un monde là-dedans qui choisit une vocation pour aider à servir l'autre monde qui est compatriote. Nous devons nous battre un gros bravo pour promouvoir ça. Ça m'apprend dimanche tout, c'est que 455 messieurs et dames, ça n'est pas pour compte. Chaque là-dedans, ils ont une soeur, une maman, un frère, une petite, qui pourra vivre même stress ça avec eux, qui pourra aller en bataille avec eux, qui pourra perdre du sommeil avec eux, qui pourra le retenir, qui par contre s'y apporter demain matin. Nous devons nous battre un gros bravo pour la famille Mounsa. Madame, yo, petite, yo, pour nous connaître que nous avec eux et que nous apprécions le sacrifice. Yo. Policiers et policières de cette nouvelle promotion, vous devez savoir que vous allez mettre chaque jour votre vie en jeu pour protéger les libertés et les droits de nos citoyens. Votre sacrifice est le fondement de notre société. Et pour cela, nous vous demandons une gratitude et notre respect les plus profonds. La voie que vous avez choisie n'est pas facile, mais elle est noble et essentielle à la survie et à la prospérité de notre nation. Votre engagement est d'autant plus noble que vous n'avez pas cédé à toutes sortes de sirènes venant d'ici et d'ailleurs. Mais vous avez choisi la conviction. Cette conviction qui vous habite et qui entretient cette flamme patriotique qui ne s'éteindra jamais. Les graves problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui soulignent l'importance cruciale de votre rôle. L'augmentation de l'activité criminelle et la menace omniprésente de la violence des gangs ont souligné la nécessité de disposer d'une force de police solide et efficace. Votre formation et votre préparation sont essentielles pour établir la paix et la stabilité dans nos communautés. Mes chers invités, au cours des dernières années, notre peuple a beaucoup souffert de l'insécurité. Plusieurs centaines de milliers de familles, de femmes, d'hommes, d'enfants ont quitté leur maison. Plus de 2/3 des infrastructures sanitaires sont fermées. Le petit commerce est bouleversé. Et la nation se meurt à petit feu. Le moment est venu pour nous de revoir notre approche à la sécurité, de reconsidérer notre stratégie pour qu'elle soit globale et immédiate. Elle doit impliquer l'intégration de toutes les forces de sécurité, la mise en place de centres de coordination opérationnels et le déploiement de technologies de pointe pour la surveillance et la collecte des renseignements. Nous nous engageons à faire en sorte que vous disposez des outils, de la formation et du soutien nécessaires pour l'accomplissement de votre tâche. Nous établissons également des partenariats solides avec des alliés internationaux afin de renforcer nos capacités et nos ressources. La formation continue et la spécialisation seront toujours, toujours d'actualité. La relation entre la police et la communauté doit être fondée sur le respect et la confiance mutuelle. Le soutien de la communauté est indispensable. Nous devons tous condamner tout acte de violence à l'encontre de nos policiers. Le meurtre d'un policier est une attaque contre chacun d'entre nous et doit susciter notre indignation collective. Les criminels doivent être isolés et traités comme des parias de la société. Par ma présence ici, j'appelle chaque citoyen haïtien à s'unir derrière nos forces de police. Nous reconnaissons les défis et les lacunes, mais nous sommes déterminés à y remédier. L'heure n'est pas aux reproches, mais à l'action, à la reconstruction et au renforcement de nos institutions policières pour qu'elles puissent remplir effectivement sa mission. La remise des diplômes à ces 455 agents représente une étape cruciale dans notre renforcement institutionnel.
Mon gouvernement est résolu dans sa mission à rétablir la sécurité. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Je comprends parfaitement l'ampleur de la tâche. Je comprends aussi l'urgence. Et je peux déjà vous dire qu'on s'y est déjà mis. Officiers et agents de tout grade, malgré l'adversité à laquelle nous sommes confrontés, l'État est très fier de vos efforts, en première ligne pour défendre la liberté du peuple haïtien. La nation vous regarde avec espoir et expectative. Ensemble, ensemble, nous allons reconquérir nos espaces publics et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Aux 455 diplômés, j'adresse mes plus sincères félicitations et la gratitude de la République. Vous faites désormais partie d'un héritage de service et de sacrifice. Le pays compte sur vos capacités, sur votre bravoure et votre détermination pour améliorer notre sécurité nationale. La nation vous soutiendra. Je vous en donne ma parole. Votre professionnalisme et votre adhésion aux principes, à l'éthique des forces de police feront la différence. Faites en sorte que la loi soit votre étoile directrice, éclairant tout ce que vous faites. Respectez votre engagement et votre serment. Restez discipliné et restez concentré. Nous ne capitulerons pas. Ensemble, nous allons reconquérir nos villes, rétablir la sécurité, marginaliser la criminalité. Haïti doit revivre. Et l'honneur de tous ceux qui sont tombés pour défendre la République. C'est ça que j'attends de vous. Le gouvernement et le peuple haïtien placent leur confiance et leur espoir en vous. Que vive la police nationale. Que vive la République. Et que vive Haïti. Moi, j'ai eu l'occasion de prendre la parole matin comme président conseil présidentiel transition dans la cérémonie pour remettre 455 nouveaux policiers certificat graduation comme agent PNH qui va rentrer dans l'unité spécialisée la police là. C'est avec quel content m'a salué déploiement bataillon jeunes garçons et jeunes femmes Sayo qui saute prend bonne formation dans affaire combat gang pour libérer le pays de mauvais pichons sayo qui fait population mal vivre spécialement dans zone capitale là et quelques villes en province notamment dans zone la Tibonite. Cérémonie ça gagne pour moi deux grosses significations. Tout d'abord, il traduit volonté nouveau gradué sayo pour combattre jouk dans bout gang exam yo tout côté yoyé. C'est mission ça même. Conseil présidentiel transition en bay tête li. Déraciner insécurité dans pays ya. Association malfecteur sa yo qui pensait yo ka détruit nation papsis. Yo pas gagné aucune chance. Y a joine bouchon yo. N'a tout profité applaudi chaque grain policier. Femme kou garçon. Qui aide pays à bataille contre malfecte. Conseil présidentiel là, dans tête collée avec gouvernement, a metté toute unité spécialisée dans la police là, dans condition matérielle, psychologique, pour combattre gang yo, démanteler yo, et puis permettre tout le monde, dans tout quartier, capable de circuler libre et libre dans tout pays là. Ça veut dire l'État, après bon genre disposition pour ça, ni dans le budget pali, ni dans le cadre de coopération avec pays étrangers qui décidaient d'accompagner Haïti dans un moment difficile à traverser depuis un bon bout de temps, et spécialement depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse Lan en juillet 2021. Cérémonie matin 18 juin, présenté tout, un signal clé. Dans la détermination du Conseil présidentiel transition pour créer conditions réelles qui pour permettre toute phase de l'organisation, bonne qualité élection
rivé déroulé comme ça doit. Réaliser élection libre, honnête, sans force côté dans finissement année 2025 là. C'est deuxième élément dans gros engagement Conseil présidentiel transition a gagné pour respecter après rétablir sécurité dans tout pays. Réalisation bonne élection avec résultat qui est acceptable pour tout participant, c'est garantie pour stabilité politique, économique et sociale établi net allez, et puis permettre institutions démocratiques de fonctionner pour bien-être général toute population haïtienne. Mesdames, Messieurs, voyons jeunes policiers qui ont gradué matin, nous engageons volontairement en connaissance gros risques qui gagnent même sous la vie nous pour nous défendre le pays, lever escape figure pour nous protéger et puis servir la population si tout l'elle sentit le danger. Bravo, bravo, félicitations pour nous. Moi veux dire nous, moi veux assurer nous-mêmes ensemble avec toute famille nous, amis nous, administration l'État qui l'a, sous direction Premier ministre Kony à Conseil présidentiel transition, accompagner nous dans toute opération nous pral mener pour déraciner gang ak zam yo. Nous pas jambes pour compte nous. M'a répété, nous pas jambes pour compte nous. Nous-mêmes policiers ensemble ak nan la MEA, nous gagnons même mission avec gouvernement ak Conseil transition. Fini ak brigandage et sécurité k'ap détruit pays a. Rétablir l'ordre ak la paix pour population recommencer vivre dans kè posé, kè content tout partout sur la terre bénie pays d'Haïti. Administration Kony ak Conseil présidentiel transition ap mette ensemble en pile ap mette accent en pile sous affaire intelligence ak renseignement pour permettre nous bien réussir opération nous pral mener yo ak objectif zéro mort nan camp pa nous. La penche tout avec haut commandement la police là sous l'autre problème institution a gagné pour permettre agent yo gen plus confiance dans tête yo dans commandement yo. Chaque policier doit sentir fier de travail li. L'année prochaine dans l'occasion célébration 30e anniversaire création police là, c'est pour population rendre nous hommage gens nous mériter ak chanter ak cadeau ak fête remerciement. Voyons agent PNH qui a gradué matin. Pas jamais oublié, nous besoin appui population pour nous réussir dans toute opération nous pral mener yo. Mariage la police avec population, c'est garantir résultat sans dire peut-être. Toujours chercher confiance population. C'est ça qui a bon nous solution finale là. Mesdames, Messieurs, moi pas cap fini causer matin sans dire bravo. Sans voyer un coup de chapeau pour toute responsable formation, 455 jeunes policiers qui ont recevoir certificat au matin. C'est là un service immense rendu à la nation. Je vous en remercie au nom des récipiendaires, au nom du peuple haïtien, au nom du Conseil présidentiel.